Le côté australien. Oula, il y a pénalité. Hooper va laisser l'avantage. Il y avait un aval, il y a un plaquage haut. La furie anglaise. Allez, il n'y a personne. Allez, il va revenir. Il demande. Non, mais là, il y a un plaquage à la tête. Il a failli l'égorger. Hein. Il n'a pas vu ce point. C'est l'arbitre touche qui le lui signale. Mais il y a un plaquage très haut sur Matt Vito. Il a failli découper la tête. Hein. Il le sait. Alors, c'est là, on va revoir. Regardez. D'abord, plaquage sans ballon, plaquage à la tête et plaquage de Farrell sur Matt Vito sans ballon. C'est Burgess. Il y a double faute là. Il y a double faute là. C'est Burgess qui va comme ça. Donc, c'est Farrell et Burgess qui va plaquer à la tête. Ouais. Non, mais c'est dangereux. Les deux gestes sont très dangereux. Ouais. Ça, c'est un manque de maîtrise, Christian. Et regardez, c'est Romain Poit qui regarde l'arbitre. Mais c'est sûr qu'il y a pénalité. Mais il y a même peut-être un carton. Et il peut y avoir pire. Regardez, il regarde l'écran de géant. L'écran de contrôle. Regardez ce plaquage, il est fou, Burgess, faire ça. Mais tout ça a été la Coupe du Monde anglaise, Christian. Beaucoup d'indiscipline quand même. Quand on est joueur de haut niveau, il faut savoir se contrôler. Ouais. On n'a pas le droit de faire ça. Ouais. Non seulement il n'a pas le ballon, il a plus une plaque à la tête. Et il est inexcusable, il vient de rentrer, il est frais. On ne peut pas dire qu'il manque de lucidité. Exactement, le haut niveau, dans tous les sports, c'est d'abord la discipline, le respect de la règle, la maîtrise de soi. Ce qui n'est pas le cas côté anglais. Ok, just a penalty. Just a penalty, mais ça méritait plus. Et c'est fini. Ouais, on va revoir. Vous avez raison. He's under the shoulder. Yes. If you can hear me, he's using his shoulder to tackle 12 gold without the ball. Okay. Bon, allez, il faut. A recommendation would be a penalty. Yes. And a yellow card. Et il n'y aura que pénalité. Non. Il vient dire yellow card, me semble-t-il. Ah. Et il a dit penalty, un yellow card. S'il n'y a pas carton jaune là, alors il faut arrêter de dire c'est dangereux, on va être sévère, etc. C'est interdit ce genre de geste. Donc ça mérite le carton. Et voilà. Et oui, c'est pour Farrell. C'est lui qui va le prendre, le carton. Et ça n'est fini. Terrible. Ça n'est fini. Désespoir. C'est terrible. Oh là là. Oh là là. Oui, mais il peut mettre deux, il peut mettre à Burgess. Ouais. Ils sont à 14. Farrell sort. Et si faut les transformer, Christian, à 14. C'est étonnant, Bernard, parce que moi j'étais focalisé sur l'action de Burgess, sur le geste de Burgess. Je suis entièrement d'accord. C'est vrai que Farrell plaque sans ballon du tout, mais ce que fait Burgess est inadmissible. C'est même dangereux ce que fait Burgess. On est d'accord. Ouais, c'est ça, d'accord. Là, regardez. C'est ça qui est sanctionné, mais. Ok, c'est. Et c'est Burgess. Hein. Si c'est un poulet, il arrache la tête.